c'est Chantal de Partage ton histoire. Alors si nos émissions te bénissent, te fortifient et t'aident même à grandir dans ta relation avec Dieu, n'hésite pas à nous soutenir en faisant un don à Évangile TV grâce au lien Paypal qui s'affiche tout de suite, ou si tu n'as pas Paypal, tu peux nous texter, envoyer un petit SMS au numéro qui s'affiche maintenant. Que Dieu te bénisse. Bonjour et bienvenue dans notre émission Partage ton histoire. Grandir sans père et sans repère. Voici le titre du témoignage de Katy qui va nous expliquer lors de son témoignage comment et quel impact a eu le fait de ne pas forcément grandir avec un papa, avec une figure paternelle. Quelles ont été les conséquences et comment Dieu est venu restaurer tout cela, tous ces miracles, si je peux dire, ou tout ce qui s'est passé, toutes les conséquences qui ont eu un effet néfaste dans son cœur, des blessures. Comment Dieu est venu restaurer tout cela? On se dit à tout de suite pour son témoignage. Bonjour Katy. Bonjour. Bienvenue dans Partage ton histoire. Aujourd'hui, je te reçois parce que tu as un témoignage formidable à nous partager. Ça. Grandir sans père et sans repère. Est-ce que tu peux nous dire comment ça a commencé? Je te laisse nous donner ton témoignage. Alors, mes parents, ils sont séparés depuis que je suis petite. Donc, ça veut dire que j'ai jamais connu mon père. J'ai connu très tard, on va dire. Voilà. Après, je le voyais de temps en temps, mais c'était pas régulièrement, une fois par mois et encore quand... on le voyait vraiment, quoi. Et du coup... T'as grandi comme ça? Ouais, t'as grandi un peu, voilà. Bah, j'ai que vécu avec ma mère et mon grand frère. Du coup, la relation que t'as développée dans le cocon familial, on va dire, tu l'as plus développée avec ta maman, envers ça, ta maman. Et, et comment se passait le quotidien? Tu n'as même pas... Est-ce que tu peux dire que t'as ressenti... Enfin, t'as pas forcément ressenti l'absence de ton père vu que tu vivais... Bah, après, on va dire que quand il disait qu'il venait nous chercher et qu'il venait pas, bah, du coup, j'étais énervée, j'étais triste. Donc là, sur le coup, bah, je ressentais l'émotion. Mais après, on va dire que ma mère, elle comblait, elle jouait les deux rôles, le père et la mère. Oui, bien sûr. Et au final, mon grand frère se faisait un peu passer pour mon père, entre guillemets, quoi. Il prenait un peu sa place, on va dire. Vous avez un grand écart d'âge ou pas? Non, on a qu'un an et demi d'écart avec mon frère. Après, il prenait entre guillemets sa place sur tout et pour tout, sur les copains, sur le comment tu t'habilles, tu mets pas ça. C'est un peu le rôle du papa. Ouais, c'est ça, ouais, carrément. Exactement, il était très protecteur, on va dire. Protecteur, oui. Ouais. Et du coup, donc j'ai commencé à vraiment voir mon père vers l'âge de peut-être 10 ans, 10, 11, 13 à peu près. C'est à ce moment que ça a été le début peut-être d'une relation que vous allez entamer, enfin, de découverte. Ouais, on va dire ça comme ça, parce que à l'heure actuelle, je le vois toujours, c'est mon père, mais j'ai pas ce truc en fait. Oui, ce lien-là. Ouais, c'est ça. C'est pas ma mère, quoi. Oui. Donc je le vois, je l'appelle parce que c'est mon père, mais j'ai pas ce, je vais pas dire l'amour, parce que bon, c'est un gros mot, on va dire, mais ouais, j'ai pas le lien. Ce lien affectif-là. Exactement. Et du coup, on va dire vers quoi? Ouais, peut-être vers 11, 12 ans, bah... Du coup, j'ai connu ma famille paternelle. J'ai connu tard, entre guillemets, ma famille paternelle. Enfin, j'ai connu très tard. Parce que tu n'avais pas ni de lien, ni de rapport avec ton père, ni avec la famille de ton père également? La famille de mon père, je la voyais, mais ça a été tard. Ça a été, je sais pas, peut-être vers 8, 9 ans. Enfin, c'était tard. Je l'ai pas connu comme tout le monde. Je vais chez le cousin, chez la tante. J'ai connu vraiment tard. Et du coup, comment dire, la famille de mon père, c'est un petit peu compliqué dans le sens où je savais depuis longtemps que ma grand-mère, elle est d'origine mozambicaine et du coup, elle faisait des pratiques un peu douteuses, on va dire. Oui, parce qu'ils étaient croyants, enfin en tout cas, ils étaient liés, on va dire, à tout ce qui est peut-être spiritisme, spirituel, à tout ce qui est... Ouais, mais après, ma famille est croyante, j'étais croyante depuis petite. Après, bon, voilà, je pratiquais pas. Tu as grandi dans une famille chrétienne? C'est ça, exactement, ouais. D'accord. Mais je savais que la grand-mère du côté paternel faisait des expériences un peu... Ouais, non, c'était... Ouais, c'est ça, carrément, ouais. Des trucs bizarres, enfin, vraiment mauvais en plus, donc on le savait, enfin, la famille était au courant. Comment vous le savez? Mauvais, ça parlait, bah, par exemple, un jour, mon père était venu me chercher, on était parti chez ma grand-mère, et puis elle avait une salle spéciale avec des pots, des ingrédients, je sais même pas c'est quoi, c'était des ingrédients, et puis je sais qu'elle recevait des gens. Et il y avait un échange de procédés d'argent. Ah. Et un jour, on avait assisté, et puis elle disait des mots, c'était pas du français, c'était pas du portugais, parce que du coup, au Mozambique, bah, ils parlent portugais, mais c'était une langue que je connais pas. Bref, et je savais que c'était... Je me sentais pas à l'aise, en fait, je me sentais... J'étais pas bien, j'aimais pas aller chez ma grand-mère, mais j'y allais parce que bon, allez, il faut voir la grand-mère, c'est important, c'est la famille. Oui. Mais je me sentais pas à l'aise, jamais. Et bah, par exemple, ma mère me disait que quand j'étais petite et quand je suis née, ma grand-mère était venue me voir et puis elle m'avait portée, mais apparemment je hurlais. Je hurlais parce que je pouvais pas être dans ses bras. Ah. Et dès que j'allais dans les bras de quelqu'un d'autre, je pleurais plus, j'étais... Donc du coup, maintenant, je comprends pourquoi bah, y avait ce truc qui faisait que j'étais pas à l'aise dans ses bras, en fait, oui, parce qu'elle faisait des trucs... Mystique. Exactement. Et donc du coup, après, au fur et à mesure, bah, je n'étais pas forcément à l'aise avec la famille, enfin... Non, c'était plus avec la grand-mère. Après, bon, au fur et à mesure du temps, voilà, j'ai connu mes cousins, ma cousine, ma tante, et j'allais plus souvent chez eux. Mais il s'est passé des événements aussi un peu bizarres, on va dire, quoi. Par exemple, un jour, je dormais, puis tu sais, t'as connu l'époque la Nintendo DS, par exemple, avec le jeu Nintendo Dogs. C'est pas moi, j'étais éveillée, j'étais avec mon chien. Tellement joué à ce jeu-là en plus, ça, je le rappelle. C'est ça, nourrir le chien, ma mère en plus, on voulait pas de chien, donc là, j'avais mon propre chien sur mon jeu, quoi. Et du coup, donc j'étais sur un lit superposé, je dormais en haut et une de mes cousines en bas. Et tu avais quel âge à ce moment? T'étais encore jeune? Je sais pas, je devais peut-être avoir 14 ans, à peu près. Donc j'étais quand même assez grande, je trouve. Dans la période d'adolescence. Ouais. Et du coup, c'était un lit superposé, mais un peu en bois. Donc automatiquement, dès que quelqu'un monte, tu entends ce petit grincement. C'est ça. Et moi, je pensais que c'était ma cousine. Donc je lui dis, écoute, tu montes pas, il n'y a pas de place. Et puis je suis en train de jouer, enfin, laisse-moi tranquille, quoi. Et j'entends rien. Mais j'entends que ça. Il y a un poids, en fait. Je sens qu'il y a... Oh. Il y a un poids. Je sais pas d'où ça sort, mais je sens que ça grimpe. Et du coup, je lui dis, écoute, ça suffit, enfin, retourne en bas, enfin, tu m'embêtes, quoi. Et là, quelque chose m'a pris par la cheville et m'a tiré du lit. Non. Mais si, mais moi, j'étais pas bien du tout. Non, c'est pas possible. Mais ça m'a tiré. Ça a littéralement bougé. Ça m'a pris, ça m'a tiré, comme si, bah, je prends ton pied, je le tire. Sauf que, bah, il y avait que moi et ma cousine. Et je sais que ma cousine, des fois, elle a bien me faire un petit peu peur, des petites blagues. Ouais. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai allumé la lumière et puis je l'ai regardée. Et à partir du moment où je sais que c'est une blague, elle va avoir le petit sourire dans le coin, tu vois. Parce que là, en fait, elle était en train de ronfler, elle dormait, quoi. Elle dormait réellement, c'est ça. Moment-là. Et le lendemain, du coup, j'étais pas bien, j'en ai parlé à ma tante. Et puis le sol de sa chambre, il était tout rayé. Mais vraiment comme des griffures d'ongles, je sais, enfin, le sol, il était rayé. Je sais pas pourquoi, il était... Vous n'avez pas d'animaux de compagnie ni rien du tout? Bah, maintenant elle a un chien, mais à l'époque elle en avait pas. Et puis dans la chambre, avec moi et elle, du coup, c'était... j'étais pas bien du tout. J'en ai parlé à ma tante, je lui ai dit, écoute, voilà, il s'est passé ça. Pendant un mois, je suis pas partie dormir chez ma cousine, j'étais... T'étais terrifiée? Ah, je pouvais plus, pendant un mois. Alors j'étais... J'allais un petit peu souvent chez elle, mais du coup, pendant un mois, je refusais. Et du coup, ma tante, elle a parlé avec un pasteur, elle lui a dit, écoute, clairement que bon, il y avait quelque chose dans cette maison qui refusait de partir et je sais pas ce qui s'est passé, mais il fallait bénir la maison en tout cas. Enfin, il y avait quelque chose de bizarre. Donc depuis, bon voilà, je continue ma vie, je vais au collège, tout ça, je fais ma petite vie professionnelle, quoi, en gros. Et donc j'étais croyante, mais voilà, après, comme j'ai dit, je pratiquais pas, je savais que si je faisais le bien, j'allais au paradis, enfin la base entre guillemets, quoi. Puis si je faisais le mal, ouais, bah que tout le monde dit. Je fais du bien et j'ai le paradis. Voilà. Et si je fais du mal, et bah j'irai en enfer, quoi. Et du coup, un jour, je pars en vacances au Portugal avec ma mère. Et à l'époque, j'étais très malade en voiture. On faisait le trajet en voiture. Ah, t'avais le mal de voiture. De transport, ouais. C'est horrible. Heureusement, aujourd'hui, c'est fini ça. Amen. Ouais. Amen, amen, amen. Et du coup, donc j'arrive au Portugal, dans le village de ma grand-mère. Donc j'étais fatiguée, épuisée, donc je vais dormir. Puis ma mère était partie faire des courses, je crois. Enfin, ouais, elle était sortie, en tout cas, j'étais toute seule. Donc je dormais. Et d'un coup, je me suis réveillée, mais en sursaut, comme si j'ai fait un cauchemar. Mais j'avais pas fait de cauchemar. Et quand je me réveille, en fait, je vois qu'il y a de la fumée, mais partout dans la maison. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que autour de la maison, tout brûlait. Et puis moi, j'étais dedans, quoi. Oh, t'étais seule? Ouais, j'étais seule. Et il y avait un incendie, en fait. Il y avait un incendie. Dans l'appartement ou non, autour du pavillon, en fait. Il y a eu du. Le truc qui est assez étonnant, c'est que. Il y avait une montagne, il y avait le feu dans cette montagne-là. Donc il y a une route, et ensuite il y avait le petit village où on était. Et je sais pas comment, avec le vent, ça a atterri sur. Exactement. Et du coup, toute la maison autour, elle était en train de. Elle était en flamme, quoi. Et je me suis réveillée en sursaut, en panique, comme si j'ai fait un cauchemar. Il n'y avait pas de cauchemar. Du coup, je comprenais pas, j'essayais de sortir, mais en fait, les serrures, elles étaient. C'était pas comme en France, c'était gauche-droite, enfin, c'était. Ah oui, ouais. C'était compliqué. Et du coup, j'ai réussi à m'échapper. Bon, après, voilà, j'ai retrouvé ma mère. Tu as réussi à sortir? Ouais, j'ai réussi à sortir quand même. Comment tu es sortie? Ah, je sais pas, j'étais énervée. Je me suis énervée contre la serrure, j'ai tourné dans tous les sens et c'était ouvert. Du coup, j'ai dit, ok, cool. Donc en fait, tu as été sauvée des flammes quand même. Ouais, j'étais sauvée, ouais. Et je savais pas que la porte, enfin, la clé de la serrure ouvrait la clé du portail. Donc du coup, j'ai dû escalader. Enfin, c'était vraiment un. T'avais quel âge à ce moment-là? Je sais pas, peut-être 15 ans, pas plus, ouais. J'imagine la panique que ça mais j'étais pas bien. Ah, mais j'imagine. Mais je me suis dit, mais je vais mourir, je vais plus voir personne. Et t'as compris à ce moment, quand t'as vu de la fumée, qu'il y avait... il y avait un souci, ouais, parce que l'eau ne marchait plus, enfin, il y avait de la... Enfin, c'était vraiment... Et puis je me dis, en fait, j'aurais pu mourir asphyxiée, quoi. Comme, bien sûr. Dans ton sommeil, oui, il y en a qui meurent asphyxiés, oui. Et je me suis dit, en fait, je prie pas, mais je sais qu'il me surveille, il me sauve de... Waouh. Ouais, du coup, j'étais... Après, le lendemain, j'étais chouchoutée. Hein. Des soins pour les cheveux, mes cheveux étaient secs, et des cadeaux. J'en ai profité, ouais. J'étais gâtée. Hein. Et... On voit déjà la main de Dieu était sur ta vie, en fait. Carrément, ouais. Alors que j'étais... Je croyais, mais j'étais pas présente, on va dire. C'est-à-dire que, T'avais la connaissance que Dieu existait, mais bon... Parce que j'ai vécu dans une famille chrétienne, donc c'est la base qu'on nous inculte des petits, le bien, le mal, le paradis, l'enfer, et après... on n'a pas eu trop... Enfin, j'ai pas eu d'éducation, entre guillemets, là-dessus. Enfin, juste, tu fais le bien, et c'est bien, tu fais le mal, et attention, ça va chauffer, quoi. Tu es dans une famille aussi non pratiquante, qui croit, certaines personnes dans ta famille vont pratiquer, et d'autres moins. Après, on va dire que ma mère, quand elle arrivait, donc ma mère a vécu au Portugal, donc elle arrivait en France à ses 18 ans. Du coup, là-bas, ils sont très pieux, très croyants, le dimanche, tous les dimanches à la messe. Et quand elle arrivait ici, du coup, elle n'a pas trop eu ce... Enfin, la France était différente, elle n'a pas eu ses repères. Donc, elle était très croyante. Mais au fur et à mesure du temps, elle se levait, elle faisait ses prières, ses jeûnes, elle était très pieuse. Comparé à moi. Moi, j'étais un bébé, quoi. Elle, c'était maman, moi, j'étais bébé, quoi, comparé à ça. Donc, elle a été très croyante. En fait, ils sont tous croyants, mais on ne pratiquait pas. Enfin, du côté de mon père, par exemple. Bon, et puis après, il y a la grand-mère à côté qui faisait des trucs bizarres. Donc, c'était un peu un micmac. C'était compliqué, quoi. Et donc, du coup, là, à ce moment, toi, quand tu sors du feu, tu dis, ouais, il est quand même... Dieu m'a quand même protégée, quoi. Ah, mais c'est pas la première fois, du coup. Et du coup, j'ai réalisé vraiment que il m'aimait, en fait. Même si je pratiquais pas, il avait un œil sur moi, entre guillemets, sur ses enfants. Voilà. Du coup, j'ai été sauvée. Bon, après, le temps passe et... Des fois, je vais faire des petites prières ou autres, mais je vais pas... Comment dire? Je vais pas me mettre dedans. Tu vas pas avoir cette relation, en fait, avec Dieu, tu vas... Pas du tout. Ça sera juste, j'ai les choses à faire envers Dieu, puis voilà. Tu m'as sauvée cette fois-ci, merci, mais fin de l'histoire, quoi. Je vais pas chercher... Mais c'est ça, je vais pas chercher à savoir du pourquoi, du comment, est-ce qu'il y a d'autres choses que je peux faire derrière, ou étudier, pratiquer... Non, ok, vas-y, merci, quoi. Et du coup, le temps passe, et vers mes... 17, 18 ans, bah forcément les garçons, hein, au bout d'un moment donné. Et en plus, on est majeurs. Ah, c'est ça. Donc on veut ça sortir. Arrange. Les garçons. Comment on va dire, mon frère était, du coup, il a toujours été, il a pris le rôle de mon père, donc forcément, par rapport à des tenues, ouais, ça c'est trop court, tu mets ça, tu vas voir, enfin vraiment très très protecteur quoi. Ouais. Puis non, t'es trop jeune encore pour les garçons. Oui, mais moi mes copines, enfin tu vois, enfin je fais une comparaison du coup. Oui. Et je savais que mes relations allaient être compliquées, dans, je sais pas pourquoi, mais je j'avais ce truc qui me disait que ça va être chaud, quoi. Ça va être compliqué et bon, on verra après. Donc voilà, les relations, les copains, les sorties, voilà, tout ce qui touche au monde de la nuit, forcément, bah, l'effet de plaire, s'habiller d'une manière sexy, le maquillage, l'alcool, bah, tout s'est enchaîné. Et au final, je me suis rendu compte que bah, toutes mes relations que j'ai vues m'étaient une catastrophe. Dans le sens où bah, on me lâchait, du coup à partir du moment où on me lâchait, automatiquement j'avais ce besoin de ok, on passe au suivant. Ouais. Et c'est fini, et vas-y, à qui le tour quoi. C'est enfin ouais, j'enchaînais. Oui, c'est dur de dire ça du coup. Oui, c'est vrai, c'est pas évident. Ah, mais... ah là je me rends compte, ouais, ça fait. Non, c'est pas très. Ouais. C'est pas bien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que. On va le voir par la suite, il y a une bonne nouvelle dans tout ça. Et ah ouais, carrément. C'est que notre passé, en réalité, ne définit pas en fait qui on est, parce qu'à partir du moment où on rencontre le Seigneur Jésus, on devient une nouvelle personne, et l'ancienne personne... Ah mais il te change, hein, il t'enlève tout ce que tu avais de sale et tu deviens pur, bah, tu redeviens nouveau quoi, tu es nouveau, tout simplement. Donc l'ancienne Katy enchaînait les relations. Ouais, les relations et... bah, tout ce qui n'était pas, on va dire, dans la religion, ce qu'il disait, bah forcément je le pratiquais pas, donc bon, j'étais pas une sainte. Mais du coup, qu'est-ce qui te, selon toi en fait, avec du recul, avec ton témoignage en fait, qu'est-ce qui faisait en fait justement que tu allais de relation en relation, de quoi avais-tu peur en fait? Mais en fait, j'avais peur de me retrouver toute seule. Et j'avais ce besoin d'être automatiquement avec quelqu'un. Sinon, je me sentais pas bien, je me sentais seule et abandonnée en fait, même si bon, autour j'avais mes amis, ma famille, ma mère, mais j'étais entre guillemets obligée d'être avec quelqu'un. Donc à partir du moment où ça se finit, je perdais pas de temps, quoi, une semaine, deux semaines après, allez hop. Tu comblais? Ouais, c'est ça, le manque en fait, le manque d'affection, je sais pas, le manque. J'étais obligée de... Voilà, c'était pas non plus la chasse entre guillemets, parce que c'est un grand mot, mais je suis sortie en soirée, il fallait que je sois là, il n'y a que moi, vous allez regarder ce soir quoi, je me mettais dans un, ouais, on va dire, pas la chasse non plus, parce que c'est un mot, ça c'est assez fort quoi, mais ça me fait passer pour je sais pas quoi, non, mais... ça c'est l'ancienne Katy. C'est ça, mais c'était le trophée quoi. Ouais, c'est ça, c'était les talons, la petite jupe courte, un petit peu courte, enfin pas non plus extrême, mais fallait montrer, fallait plaire, fallait de la séduction, fallait bah ok, bon, tout le monde boit, bah vas-y, je vais boire aussi avec vous, et puis c'est la fête, et le monde un peu, le monde de la nuit quoi, du coup qui est, ça c'est pervers quoi, c'est ouais, donc du coup voilà, c'était on enchaîne et puis après bon bah du coup bah forcément toutes mes relations étaient cassées, dans le sens où c'était jamais de ma faute, mais ça s'arrêtait. Donc en gros, c'est pas toi le problème Katy, c'est moi. C'est ce qu'ils te disaient à chaque fois. Mais tous. Mais du coup je me suis dit mais c'est pas possible, il y a quelqu'un qui m'a lancé un mauvais œil, je sais pas. Parce que je suis maudite. Mais c'est ça, je me disais, mais c'est pas possible, je suis maudite. Il y a un truc qu'on m'a fait qui fait que il faut pas que j'ai. Enfin, toutes mes relations sont cassées en fait. Je me suis dit, c'est pas possible. Il y a quelqu'un qui doit être jaloux, je sais pas, qui m'a fait de la sorcellerie. Ouais. Bon, vu que ma grand-mère, bon, voilà, on connaît, je me suis dit. Bon... T'as peut-être soupçonné. Ah, je l'ai même soupçonné. Oui, généralement, quand on connaît le sorcier de la famille, voilà, tu m'as offert un vêtement il y a des années, ça se trouve, t'as fait des trucs sur ce vêtement, je sais pas. Tu vois, c'est... non, moi j'avoue, je me suis même posé la question, j'ai dit bon, c'est la grand-mère quand même, mais bon, on sait jamais. Bon, hein. On sait pas, maintenant voilà, grâce à Dieu, elle est sortie de tous ces trucs mystiques, donc tant mieux. Donc ta grand-mère est sortie de toutes ces choses-là? Ouais, elle a rendu tous ces gris-gris, ces... truc, je sais même pas à quoi ça ressemble maintenant, mais ça fait des années que je la vois pas, mais elle est partie voir quelqu'un, bon ils ont prié, ils ont fait des prières, puis elle a tout donné. Donc du coup maintenant elle a elle aussi une nouvelle vie. Donc ouais, c'est bon. Ouais bah ouais, pardonne surtout hein, malgré Amen. Les fautes là. À ça, parce que parfois on peut vraiment faire du mal aux autres. Et du coup en fait, c'est le fait d'aller justement de relation en relation, c'était quand même en fait cette peur aussi de l'abandon, d'être seule et aussi quelque part ce manque affectif en fait que tu n'as pas eu non plus de ton papa, parce que ouais. C'est vrai que parfois on grandit, enfin Dieu va nous donner une famille, va permettre qu'on puisse naître de la rencontre, de la semence de l'homme et de la femme. Un enfant ne se fait pas seul, c'est pas une maman seule ou un homme seul, ce sont les deux, parce que Dieu va faire en sorte qu'on puisse grandir dans une famille afin que les deux figures, que ce soit la figure maternelle ou paternelle, puissent nous apporter une protection certes, mais aussi vraiment cette stabilité émotionnelle, le fait de pouvoir aussi construire notre estime de soi et nous donner cette affection, cet amour dont on a besoin. Et c'est vrai que ce n'est jamais pareil en fait de vivre dans une famille monoparentale, si je peux dire ça. Ça, ouais. Ça va jamais être pareil, même si le papa ou la maman qui est seule se bat en fait, vraiment fait tout pour essayer de combler, mais justement elle essaye de combler parce que il y a la place de l'autre parent qui est extrêmement importante. Et c'est vrai que bah quand on n'a pas la figure paternelle, parfois on peut se retrouver à rechercher ce qu'on n'a pas eu avec notre père ailleurs. Ouais, et étant donné que en tant que femme, c'est le papa qui n'était pas là, donc certainement, et souvent même, on va le chercher chez des hommes, parce que bah, ouais, bah, c'est le côté masculin, justement, qu'on n'a pas eu et qui nous pousse à rechercher cela, en fait. C'est ça. Le besoin d'être protégé, d'être rassuré, et puis dire que tout va bien. Ouais, c'est ça. Ouais, bah maintenant, ouais, c'est... Alors qu'au final... c'est de Dieu dont on a besoin. Ah mais carrément, mais là, c'est Dieu qui peut seulement vraiment nous restaurer. Mais du coup, comment justement t'es arrivée à Christ? Comment tu l'as rencontré en fait? T'as fait vraiment cette rencontre? Qu'est-ce qui a été le déclic? Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont déjà parlé de Jésus avant? Ou est-ce que tu as fini par voir des posts sur Instagram qui t'ont de plus en plus convaincu? Ou je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé en fait vraiment pour que tu puisses dire waouh? Non, là en fait, j'ai vraiment rencontré, là ma vie change réellement à partir de ce moment-là. En fait, j'étais en relation avec un homme. Plus âgé, donc croyant aussi, mais pas pratiquant. Donc je me suis dit, bon, du moment qu'il croit, c'est le principal. Ouais. Hein. Et du coup, je me suis dit, bon, étant donné que toutes mes relations, ça a été cassé, je me suis dit, celui-là, je veux pas qu'il parte, celui-là. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais faire une prière. Je me suis mis dans ma chambre, à genoux, et puis je lui ai demandé, je lui ai dit, écoute, je préfère que tu... En fait, je lui parlais comme si c'était mon ami, quoi. Je sais pas comment expliquer, mais je lui parlais comme si bah, je te parle à toi, clairement, ouvertement. Et je lui ai dit, écoute, je veux que tu casses toute relation qui n'est pas bon pour moi. Et c'est tout ce que je lui ai demandé et j'ai remercié. Et on va dire 3-4 jours après, écoute, Katy, ça va pas, machin. Et en fait, je comprenais pas, mais je lui dis, mais je comprends pas, tout se passe bien, qu'est-ce qui se passe? Bon, c'était un peu compliqué, mais je me suis dit, on peut réussir à monter ces problèmes. Et donc, du coup, je suis devenue, je vais pas dire non plus dépressif, mais je me suis dit, je disais à mon entourage, s'il arrête avec moi, je vais pas m'en remettre, c'est la fin du monde, je sais que c'est lui, c'est pas quelqu'un d'autre, vraiment, voilà, j'étais vraiment pas bien. Mais sur le coup, j'ai oublié la demande que j'avais faite, en fait. Oui, on oublie souvent cette prière qu'on fait à Dieu. Seigneur, on te demande telle chose et au final quand tu le fais, ouais, on oublie. Tu oublies, tu pleures et tu te dis mais qu'est-ce qui m'arrive et pourquoi moi et c'est encore la même chose. Et du coup j'ai oublié. Et donc je parlais avec quelqu'un de ma famille, je lui ai dit écoute je suis pas bien machin. Elle me dit écoute on va faire, on va prier, puis s'il était pas pour nous c'est pour une raison. Et un jour je me baladais sur Instagram hein, comme tout le monde et puis je tombe sur ce post là qui me... T'interpelle. Ouais, mais en fait on dirait que c'était spécialement pour moi, c'est ça le truc en fait. Il y avait une parole spécifique. Oui, et puis c'était par rapport au, je sais plus, c'était le chagrin d'amour qu'il fallait, bref qu'en gros il y avait d'autres choses plus importantes et que si t'étais pas bien, fallait que tu te confies, enfin que tu racontes tous tes problèmes et ça va s'apaiser et enfin quelque chose comme ça. Je me souviens plus exactement, ça fait un bon moment. Donc du coup, je me suis dit, en tout cas, ça t'a touché, ça t'a... Ouais, mais en fait, c'était pour moi. C'était vraiment pour moi. C'était pour moi. Et du coup, j'ai pris... Enfin, j'ai envoyé un message à la personne, on a échangé, je suis tombée du coup sur une femme qui m'a expliqué... comment expliquer ça? L'importance de la prière, de... Sur Instagram? Ouais. D'accord. Mais du coup, c'est bien parce que du coup, les posts qu'on poste, je les reposte et du coup, d'autres personnes viennent à moi. Du coup, je leur explique. En fait, je fais exactement le même chemin que la personne a fait avec moi. Et comment expliquer ça? Ouais, en gros, ça m'a aidée en fait. Ça m'a aidée et je me suis retrouvée dans le sens où j'ai recommencé à prier, à étudier la Bible, parce qu'avant, je lisais et je lis mon passage, je ferme et je vais regarder la télé, je vais sur Facebook ou autre. Alors que là, je prenais vraiment le temps de étudier et comprendre. C'est ce qui t'est né dans ton cœur, en fait. Mais en fait, il y a ce truc, je sais même pas expliquer ce truc, il y a un truc, voilà, que je lui ai demandé, écoute, je lui racontais en gros ma vie, je lui racontais toutes les bêtises que j'ai fait ça, à ce moment-là j'ai fait ça. Je lui dis, je sais que c'est pas bien, mais bon, tu vas me pardonner parce que bon, voilà quoi. Je lui ai expliqué toute ma vie. Et puis t'as intérêt à me pardonner. C'est ça. Et en fait, mon cœur, il était vide et j'ai senti un amour, mais un amour comme personne pourrait... Je sais que personne m'aimera comme ça, en fait. C'est un amour, je sais que bon, si plus tard je me marie, mon mari m'aimera pas comme ce que j'ai ressenti dans mon cœur. Il y a un truc qui m'a... Ça m'a touchée. Et j'ai senti ce truc que je pourrais pas expliquer. Et ce truc a fait que j'avais la soif d'apprendre, en fait. Il fallait que je étudie les paroles, que je lise. Que, par exemple, si quelqu'un a un comportement qui n'est pas... Ou avoir une... Comment dire? Ouais, avoir un comportement qui ne va pas, que je lui réponde « Non, c'est pas comme ça, fais plutôt comme ça. » Enfin, et j'étais apaisée, mais j'étais super zen. On dirait que j'avais fait une séance de yoga de 1 heure, alors que non, pas du tout, en fait. J'étais calme et... Je sais pas, ça m'a changée. Et par exemple, sur les choses qui m'ont changé, avant, j'étais quelqu'un de très renfermé. J'étais dans ma chambre et je pouvais regarder des films pendant 6 heures sur Netflix, et puis on va sur les réseaux et même regarder à la télé que des films. Et je sortais pas de ma chambre en fait. C'était une manière de te réfugier. C'était un peu un refuge. Et au final, c'était un refuge, ouais. Et au final, à l'heure d'aujourd'hui, j'arrive. Enfin, il y a ce truc qui fait que si je vais regarder la télé, il va me dire non, va étudier. Le Saint-Esprit. Exactement. J'ai appris. On cherchait le mot, donc le truc, le Saint-Esprit. Oui. Et pourtant, c'était pas forcément un film mauvais ou autre. Hein. C'est que, en fait, je pense que, du coup, maintenant j'ai compris, c'est que, étant donné que je peux perdre énormément de temps devant un film ou une série ou la télé, 6 heures, 7 heures, je me couchais à des 4 heures du matin. Mais en fait, le temps que je perdais bêtement, au final, je pouvais l'investir dans ta relation avec Dieu. Exactement. Amen. Donc du coup maintenant je peux... Enfin, si ça n'a pas un rapport avec lui, ça va pas m'intéresser. Ouais. Même, je te dis, une émission Koh Lanta, c'est un truc, c'est... Bon, c'est une émission, c'est pas mauvais. Ouais. Ce truc à me dire non, tu vas étudier. Ouais. Enfin, c'est un blocage. Enfin, comment un blocage? C'est pas que j'ai pas l'envie. C'est que ça m'empêche. Le désir de lire la parole est plus fort. Ouais, c'est ça en fait. En fait, ce désir il est plus fort. C'est exactement ça. Je peux pas regarder. Ça arrive pas. Je veux regarder, mais je suis bloquée. Dans le sens où, voilà, où par exemple aussi des piercings. J'avais un piercing et pendant une prière, ce truc qui m'a dit tu prends ça, tu jettes. J'ai même pas arrêté. Je prends, je jette. Ouais. Amen. Alors que de base, c'est un truc, ça fait depuis longtemps et maintenant ça me fait bizarre quand je regarde comme ça. Je me dis il manque un truc là, mais c'est mieux comme ça, quoi. C'est bizarre. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a comme d'autres exemples? Ouais, sur le style vestimentaire aussi. C'est-à-dire que... En fait, ça, c'est le changement qui arrive après que j'ai rencontré le Seigneur. Exactement. C'est tous les changements qui sont en train d'arriver. Et du coup, même par rapport au style vestimentaire. Ouais, même le style vestimentaire, il y a certaines choses que je ne peux plus. C'est-à-dire que moi, on était, des fois, les petites jupes, c'est pas non plus très court, mais on voit les cuisses. Et maintenant, je sais que ça sera genou à la, ou sinon à la limite du genou. Ouais. Alors que pour moi, ça allait. Enfin, avant. C'est vrai. Le genou, c'est comme si tu me disais de mettre une jupe longue. C'est la robe que tu as, par exemple. Ouais. Bah, moi, le genou, c'est la longueur. Ouais. C'est ça. Je... Impossible. Ah ouais. Impossible. C'est un truc qui m'a toujours. Est tellement bon parce que ça, en fait, c'est vraiment quand tu as ce désir, en fait, de vraiment plaire au Seigneur, de vraiment faire que sa volonté, qu'on est disposé en fait à entendre ce genre de choses, parce que malheureusement en fait même dans le corps de Christ parfois on se convertit, il y en a qui se convertissent mais ils veulent juste mettre Dieu dans une boîte et de se dire non bah Seigneur moi tu vas me parler que par rapport aux révélations et tout ce qui va avec, à la Bible. Mais Dieu a des choses à dire sur ton style vestimentaire. Non, mais c'est ça, en fait. Dieu a une volonté sur ta manière de parler, sur ta manière de te comporter, sur toutes ces choses en fait, c'est-à-dire que la Bible dit que le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. C'est-à-dire que même la vérité sur ton style vestimentaire, est-ce que ton style vestimentaire reflète la gloire de Dieu? Parce que moi aussi, je me rappelle quand, voilà, avant que je ne connaissais pas Christ, je m'habillais vraiment de, voilà, d'une manière parfois provocante, où tu portes des choses moulantes, etc. Mais quand j'ai réalisé en fait que mon corps appartient à Dieu également, en fait, et que j'ai vraiment envie en fait de marcher dans la sanctification, de vraiment refléter en fait qui il est, de marcher dans la décence et toutes ces choses. Mon piercing aussi, je l'ai enlevé. Et, et ça, c'est vraiment la conviction du Saint-Esprit, en fait. Quand tu es disposé à vraiment vouloir, en fait, le chercher, à faire sa volonté, le Saint-Esprit te conduit même sur des chemins comme ça. Et c'est là où, en fait, on peut voir qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Bah parce qu'il y a Katy avant et il y a Katy après. C'est pas pareil, même rien que sur la cigarette, je suis quelqu'un qui fume depuis que j'ai 18 ans. J'ai exprès 18 ans, comme ça. Ma mère ne pourra rien me dire, j'ai fait exprès. J'ai 18 ans maintenant. Oui, mais tu vis sous mon toit. Ok, j'avoue, c'est vrai. Toujours cette phrase. Ouais. Et je lui ai demandé. Raison, hein, quand on vit quand même sous le toit des parents, on doit. Je dois respecter certains. Et du coup, elle me disait tout le temps, la cigarette, Katy, tu gâches ton argent, et c'est la santé, tu détruis ton corps. Non, non, oui. Enfin, ça rentrait là, ça sortait là. Je le savais en fait, mais c'est pas grave. Et un jour, je lui ai demandé, écoute. Faut que tu me dégoûtes de la cigarette. Je veux arrêter. Ouais, je lui ai dit, j'étais là dans ma chambre et je lui parle, je lui ai raconté ma journée, je lui dis par contre là, en fait vu que je me sens, en fait l'effet de fumer, ça me salissait de l'intérieur. En fait je me sentais, j'avais le manque de cigarette, mais je me sentais mal de fumer et faire toutes ces choses à côté en fait. C'était pas cohérent avec moi. Et du coup je lui ai demandé d'arrêter de me sur la cigarette et en quoi, en une semaine. Première cigarette que je fume, je tire une taf, elle a un goût, c'est pas le goût normal, c'est pas ça. Je me dis bon, peut-être je suis fatiguée, je sais pas, ou ce que j'ai mangé, le café, bon, que des excuses que je me donnais en fait. Deuxième, après j'ai dit bon, vas-y c'est bon, je jette ça. En fait il m'a vraiment dégoûté. Tu t'es rappelé de la prière? Mais je me suis rappelée, là je me suis bien rappelée, je me suis dit en fait ça marchait. Et je disais des excuses, non c'est peut-être parce que j'ai pris le café, il était peut-être un peu trop sucré du coup. On veut forcer, ouais c'est ça, on sait. Mais en fait non, tu le sais mais tu essaies de te rassurer en disant ouais bon non. Et au final, donc aujourd'hui t'es quand même délivrée de la cigarette et de toutes ces choses là. Mais n'empêche je me rends compte que, comment on va dire ça, le diable, il essaie tout le temps de te tenter par tes faiblesses. Et moi, la faiblesse, c'est quoi? C'est la cigarette. Il va pas te laisser, il va tout faire pour qu'après que tu retombes, que tu récupabilises, et essayer de faire en sorte que tu sois avec des personnes qui fument, exactement ou être dans un entourage. Je suis partie au travail, et par exemple, c'est une histoire comme ça, travail, tout le monde fume. Mais jamais personne a laissé un paquet de cigarettes sur le comptoir de la caisse. Et là, c'était... Et je suis partie au travail, c'était en plus c'était la semaine dernière, j'étais dans ma semaine de jeûne en plus. En plus. Donc je vais au travail, j'ouvre la caisse, j'ouvre le restaurant et là je vois un paquet de cigarettes. Je me dis, et en fait inconsciemment je rigole, je dis mais toi tu vas pas m'avoir. En fait j'ai rigolé, il y avait personne, heureusement il y avait personne qui m'aurait pris pour une folle je pense. Mais toi tu sais ce qui se passe. Mais c'est ça, j'ai dit non mais j'ai rigolé, j'ai dit toi tu veux trop en plus me... Non ça marchera pas. J'ai pris le paquet, je l'ai jeté loin de ma vue. Et au moment de couper mon jeûne, donc à 18 h, j'allais manger comme de par hasard, et j'ai pas pu manger. Il y a au moins, je sais pas combien de personnes qui sont rentrées dans le restaurant en fait. Donc il a voulu m'avoir sur l'effet de la cigarette et essayer de me retarder. J'ai dit non, mais ça marchera pas en fait. J'ai dit c'est pas grave, je mange chez moi. Tranquille et... Ben ça en plus j'avais déjà reçu ma commande du Uber Eats, là, j'avais pris du KFC, j'allais déjà manger et au moment où je vais, non, il y a 50 personnes qui débarquent, je sais pas d'où, pour des commandes. J'ai dit non, c'est trop... Waouh, ben en tout cas vraiment merci pour ce témoignage. Hein. Ouais. On voit que en fait il y a plein de choses en fait qui se passent dès le cocon familial et dès la famille en fait, où parfois bah quand on n'a pas non plus le père, on peut parfois manquer de repères et ça peut engendrer et créer des conséquences en fait dans notre manière de faire les choses, dans le fait de chercher l'affection. C'est pour ça, parents, il faut qu'on donne un maximum d'affection à nos enfants, qu'on les aide vraiment à se construire. Et justement, le diable fait tout pour détruire les familles. Parce qu'il sait que s'il arrive à détruire une famille, il arrive aussi à quelque part détruire les enfants et à laisser des séquelles. C'est pour ça, il faut que Dieu nous aide à avoir des familles fortes, solides, vraiment basées sur la parole de Dieu et l'amour de Dieu. Merci beaucoup pour ce témoignage. De rien. Nous allons maintenant passer à notre partie de notre émission. J'aimerais te demander à toi si tu as à cœur de témoigner, si tu as un témoignage, de pouvoir me contacter sur ma page Instagram, Partage ton histoire, afin de pouvoir partager également ton histoire. Et peut-être que tu me regardes, que tu ne connais pas le Seigneur Jésus, peut-être que tu es captif de l'alcool, de la drogue, de la cigarette, du besoin de peut-être plaire ou parfois même d'enchaîner les relations, ou peut-être que tu as des blessures aussi concernant au niveau familial en fait, où tu as perdu un parent, où il y a un parent avec qui tu n'as pas grandi, où il y a eu des disputes, des problèmes, bref, tout ce qui est sûr c'est que Dieu veut guérir ton cœur et Dieu est capable de le faire. Mais tu peux aujourd'hui décider d'ouvrir ton cœur afin de le laisser venir habiter et nettoyer en fait ton cœur, t'aider en fait à pardonner aussi certaines personnes qui t'ont fait du mal. Tu peux faire cette prière avec moi, tu peux fermer les yeux et tout simplement répéter ces paroles après moi et dire: Seigneur Jésus, aujourd'hui je me tiens devant toi, car j'ai besoin de toi. Je t'ouvre mon cœur, je te reçois, et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Aujourd'hui, je veux recommencer une vie nouvelle avec toi. Merci de m'adopter comme ton enfant. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Alléluia, gloire à Dieu. Si tu as fait cette prière, bienvenue dans le royaume de Dieu. Merci à toi d'avoir suivi ce témoignage. Merci Katy encore. Je t'en prie. D'avoir témoigné ton histoire. On se retrouve pour un autre épisode dans Partage ton histoire. Waouh, waouh, waouh. Quel témoignage poignant. Dieu est capable de faire des merveilles dans notre vie. Vous savez, à Évangile TV, dans nos émissions, nous aimerions faire tellement plus, mais nous avons besoin de vous. Alors, n'hésitez pas à nous soutenir grâce au lien Paypal qui s'affiche maintenant ou à nous contacter sur ce numéro. Et on se dit à bientôt.